Quelle vue! Je suis sûre que t'aurais aimé, Shanna. Baud, on se dirige vers l'observatoire. Je suis en route. Apporter ces graines au jardin. Apportez ce disque que vous donnez à Z. Fais attention, d'accord? Les pillards sont déjà passés par là. Bien joué. Allez, on continue. Alors on va... Il vient d'approche. Il
et il arrive pas. Je t'ai vu venir. C'est terminé pour l'instant. Je peux supporter ça. La cible évite les coups. Fais mieux la prochaine fois. Les impériaux étaient bien là, mais je trouve pas Dagan. On sait quelle direction il prend. On retrouve au sommet. On va montrer ça à Z. La plateforme est pas ici. Excellent timing. J'en dois une. Je vais trouver un endroit pour atterrir. Il faut calculer notre coût. Cherchez-vous l'observatoire? Quoi? On fait que suivre les ordres! Un simple pion. Avez-vous un dispositif de communication? Oui. Activez-le. Je m'appelle Dagan Gera. Votre attaque ici a échoué et vos soldats ont perdu la vie. Ah!
Attention, BD. Pathétique. Te voilà enfin. Tu m'as fait attendre, Jedi. La Galguera m'a choisi pour achever ta pathétique petite vie. Alors ton maître n'a pas fait le bon choix. Dagan nous envoie tout ce qu'il a, hein. Je peux pas l'ouvrir. Voilà notre homme. Pardon de t'avoir fait attendre. J'ai dû écraser quelques moucherons du chaos pour atterrir. Pas de problème. Il y en a toute une nuée droit devant. C'est vrai, mon vieux. Allons chercher ce compas. Il y a presque plus d'impériaux dans le coin. Ils ont sous-estimé les pillards du chaos. Dagan est peut-être en plein délire, mais il a toute une armée qui prend en lui. Je pense qu'il les mène à Tananor. Il faudra passer sur le corps. Je regarde un peu cet endroit. Incroyable. Franchement, je... Incroyable. On en a eu un qui voulait s'enfuir. Pitié, je me rends. C'est ça l'armée qui a vaincu le puissant Ordre Jedi. Tuez-le.
Regarde-moi cette technologie. Tu sais, ma fille adore les gadgets. Oui. Son jouet préféré, c'est un scanner du marché noir que j'ai pris à un homme de Mardéhut. J'ai vraiment été un père indigne. Personne n'est parfait. Tu te bats pour qu'elle ait une vie meilleure. T'as raison. Tout ça, je le fais pour elle. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. La gamme quitte la planète avec le compas. Il va s'envoler ou on ne le reverra jamais. Faut se dépêcher et faire en sorte que ça arrive pas. Où sont tous les pillards? Ça me plaît pas du tout. Je dormais pas. On est plus. On est presque au sommet. On peut plus reculer. T'es sûr de vouloir appuyer sur ce bouton? Est-ce qu'on a le choix? Ok. Vas-y. Un pour toi, un pour moi. C'est gentil de partager. Éliminer le Jedi. D'accord, d'accord. Je regarde. Excellent, mon frère. C'est fermé. Qu'est-ce que tu fous avec ce truc? Un truc de Jedi.
Fais pas attention. Flamer. Z peut sûrement récupérer les données dessus. Jojo Kulcher, les scientifiques de la République avaient la paix. Nickel. Concentre-toi. On y retourne. L'observatoire est là-bas. Juste derrière l'armée de droïdes et pillards. Abattez l'ennemi, imbécile. C'est le moment de le suivre. On fonce. Retiens pas tes coups. On y est presque, Cal. Presque. Je ne pourrais pas bouger. Organisme, dégâts.
rapproche. J'espère que t'as encore de la réserve pour Dagan. Je suis prêt. Et toi, BD? C'est quoi le plan? Dagan risque pas de nous donner le compas. Il est arrogant. C'est sa faiblesse. Ouais, on le fout en rogne, il attaque l'un de nous, et l'autre lui tombe dessus. C'est ça. C'est risqué, mais c'est tout ce qu'on a. Si jamais ça tourne mal, ça a été un plaisir, Cal. Pareil pour moi, mon frère. On sait ce qu'on a à faire. Faut se lancer. Je ne reviendrai pas. Retrouve-moi. Ou va, Atan, alors. C'est à toi de décider. On dirait qu'il a eu le message quelques années trop tard. Si seulement Santari m'avait soutenu, nous aurions pu convaincre le conseil que Tanalore valait le sacrifice. Elle n'est plus là. Revis n'est plus là. L'ordre n'est plus là. Et moi, je suis libre. Tu n'es pas libre, Dagan. Tu es seul. Que fais-tu là, alors que ton véritable ennemi est dehors? Comment as-tu pu laisser la galaxie tomber entre les mains de cet empire misérable? Tu te considères comme un survivant, mais tu es un échec. Nous ne sommes pas vaincus. Pas encore. Tiens, qui se laisse aveugler par son passé? Au cœur de l'abysse, l'Empire ne peut pas nous atteindre. Je ferai de ces pillards une armée d'élite dirigée par des disciples formés à la force dans mon temple. Et quand l'heure sera venue, je frapperai et je purgerai cette galaxie par le feu. Merci, mais on a déjà un empereur. Remets-nous le compas. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que je suis un père à court d'options. Et t'es un obstacle sur le chemin d'une vie meilleure pour ma fille. Donne-moi ça, ou je t'abats sur place. Tu t'accroches à de piètres rêves. Tanalore alors m'appelle. Pitoyable! Tu restes enchaîné au passé. Oh!
À quoi tu penses alors que tu es sur le point de mourir? Que ta vie ne valait rien. Ne résiste pas. Tu ne peux pas te cacher. Ah oui. Je le sens. Le deuil. La souffrance. La honte. La colère. Ces émotions recèlent un pouvoir immense, mais tu étais trop faible. À présent, il est trop tard. Les navettes s'en vont. Je ne reviendrai pas. Tu es perdu. Tu t'es écarté de la voie. Et tu n'es pas un Jedi. S'il te plaît, dis-moi que c'est bien réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Une illusion causée par la Force, qui puise dans nos peurs. J'ai exploité les siennes. Il fait plus aussi peur maintenant. C'est bon, il est toujours entier. BD, donne-moi de bonnes nouvelles. Dagan avait peut-être raison. T'es sûr que t'es pas... Tu sais... Réfléchis-y. Tanalore est une forteresse. On devrait y abriter le passage. Rassembler des alliés, s'entraîner. Ils ne nous verront jamais venir. Je sais pas, ça a l'air risqué. Le risque sera toujours présent tant qu'on n'arrêtera pas l'Empire. Et puis... Tu ne voudrais pas que Kata passe sa vie à se cacher? Tant qu'elle est en sécurité, ça me va. C'est tout ce qui importe. Oui. Oui, je te rejoins là-dessus. Mais un jour, quelqu'un devra affronter l'Empire. Pourquoi pas nous? Cordova doit pouvoir le bricoler. On repart sur Jedha. D'accord. Je vais juste jeter un coup d'œil dans le coin, histoire de voir s'il y a un manuel qui existe pour ce truc. On va bien trouver. Ouais. Hé, hey, BD. Tu m'as sauvé. Encore. Merci. Passe devant, Cal. Je suis sûr que les autres ont hâte d'apprendre la nouvelle. On se retrouve à Mantis.
Jolie trouvaille. On montrera ça à Zed. Ça, c'est une prise rare. Qu'est-ce que c'est? Le mythique poisson fin. Son histoire est marquée jusqu'à l'arrêt par la cupidité et la tragédie. Il reste très peu de fin, à cause de leurs glandes succulentes. Mais je compte pas dépouiller cette pauvre créature de ses organes. Au saloon, et un jour, je lui trouverai peut-être un partenaire. Tu joues les entremetteurs? T'as déjà pêché du fa avant? Non, mais quand on pêche, faut laisser le monde en meilleur état qu'avant. L'onde se forme en fonction du caillou que tu jettes. Bon, tu veux une histoire? Donc, après des années à rechercher la grande baleine, me revoilà sur les rives gelées de Sakavitar, où mon histoire a commencé. Et ce monde dans lequel j'avais grandi ressemblait plus à une lune à mes yeux, fatigués. Si petit. J'ai crapahuté jusqu'à la grotte d'Undan, mais elle était vide et plus froide que dans mon souvenir. Tu sais, gamin, parfois la vérité apporte la paix, mais parfois elle apporte la tristesse. Le poisson n'est pas toujours celui que tu crois quand il mord à l'hameçon. Je me suis traîné hors de la grotte et jusqu'à mon village, et ce que j'ai découvert ensuite m'a triplement retourné l'estomac. Tous mes proches, vieux comme jeunes, ravagés par le froid et la famine, car nul autre que le capitaine Wanyekwet pêchait dans leurs eaux, remontant le peu de poissons qui restaient et les embarquant. Et me revoilà de nouveau parti à la recherche du terrible capitaine et de son équipage. Pas seulement pour me faire justice, mais pour libérer mon peuple. Quand on reparlera, je te dirai comment a fini ma croisade.